Дуже радий вітати сьогодні в Києві свою нову колегу Катрін Колон. Для нас велика приємність, що це в буквальному сенсі один з перших візитів міністра нової міністерки закордонних справ Франції за кордон, і це візит саме до України. Я одразу після того, як Juste après votre nomination, j'ai entendu beaucoup parler de vous, donc par plusieurs connaissances communes que nous avons. Et j'ai eu aujourd'hui une excellente occasion de me rendre compte que toutes les bonnes paroles sur son niveau professionnel et ses qualités humaines se révèlent vraies. Et je suis extrêmement content de cette connaissance et je suis sûr que nous allons poursuivre ce travail comme collègues, mais aussi pour devenir amis. Ma collègue a commencé sa visite par se rendre à Boutcha, où elle a pu donc se rendre compte des conséquences qu'a laissé l'agression russe, donc les barbaries et les crimes de guerre commis par les Russes. La France, on le sait, a été l'un des premiers à avoir diligenté en Ukraine ses experts pour établir et enquêter les crimes de guerre commis dans la région de Kiev. Aujourd'hui, une partie de notre échange a été consacrée justement à cette coopération qui peut être la nôtre pour poursuivre la Russie pour les crimes commis sur les territoires ukrainiens. Nous apprécions très haut l'aide humanitaire, financière, mais aussi en matière de défense que nous apportent nos amis français sur le plan bilatéral, mais aussi au niveau, dans les instances multilatérales. Nous voyons la volonté sincère de la France pour aider l'Ukraine à gagner cette guerre face à la Russie. Je crois que vous avez tous vu les échos positifs publiés par nos militaires suite à la réception des Césars français qui ont fait déjà leurs preuves comme une arme très précise et très efficace dans les mains habiles de nos militaires. Mais ce n'est pas le seul exemple de l'aide venue de France et tout type de cette aide militaire, nous vous en sommes très reconnaissants. J'ai souligné que l'Ukraine a actuellement besoin donc de bénéficier d'autres fournitures, de pièces d'artillerie de calibre 155 mm, quelque chose qui est une condition sine qua non de notre victoire sur le terrain. Nous avons besoin de renforcer notre potentiel d'artillerie dans le Donbass et c'est la question que nous avons évoquée avec ma collègue. En ce moment même, où je m'adresse à vous, se déroule la réunion des COREPER, les représentants donc de l'Union européenne qui se penche à nouveau sur le futur sixième paquet des sanctions européennes. Donc cette réunion qui sera suivie du sommet de l'Union européenne pour parler entre autres de cette même question. J'ai le plaisir de relever qu'à ce premier niveau des représentants permanents, mais aussi au niveau des leaders d'État, la question concernant les sanctions anti-russes, la France continue toujours à tenir une position d'un principe pour jouer un rôle pilote et aide beaucoup à surmonter les divergences de vues qui peuvent persister au sein de l'UE. À dire plus concrètement et précisément, les divergences qui opposent la Hongrie actuellement au reste des pays membres de l'UE. Nous avons l'espoir que toutes ces divergences vont être surmontées et aujourd'hui même une solution puisse être trouvée qui va apporter cette dimension concrète à ce sixième paquet de sanctions que nous appelons de nos voeux. Nous avons également évoqué, bien sûr, avec ma collègue, le dossier de l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion à l'UE. Nous avons eu un échange, en effet, très sincère et très direct. Nous sommes dans une phase assez difficile de ce processus où nous devons ensemble faire émerger un consensus entre les différents pays membres de l'UE sur cette question. Je l'estime tout à fait possible et nous continuons notre travail pour le rapprocher.
je peux vous avouer que j'ai demandé à ma collègue française non seulement d'aider cette décision octroyant à l'Ukraine le statut de candidat, mais aussi convaincre ceux qui hésitent encore de la pertinence de cette mesure. Et nous allons rester en contact très étroit avec ma collègue dans les semaines qui viennent pour suivre ce dossier important. Nous avons évoqué bien sûr aussi l'initiative lancée par le président Macron sur la communauté politique. J'ai obtenu donc les éclaircissements et les explications nécessaires. Je suis tout à fait rassuré et satisfait de ce que j'ai entendu. La France et l'Ukraine sont du même avis, qui est de dire que l'idée d'une communauté politique n'est pas une alternative à un avenir, à un futur adhésion de l'Ukraine à l'UE. Vous savez très bien à quel point nous avons déjà marre, nous sommes fatigués par des demi-mesures, par différentes initiatives alternatives qui peuvent provenir de telle ou telle capitale européenne. Nous n'avons pas besoin d'aucune alternative, d'aucune substitut. Nous avons besoin de fixer très concrètement et clairement l'idée que l'Ukraine fait et fera partie du futur projet d'intégration européenne. Donc un pas sur ce chemin consistera à accorder à l'Ukraine le statut de candidat. Je suis reconnaissant à ma collègue pour ses explications exhaustives, dire que cette communauté politique proposée par le président Macron n'est pas une alternative, mais quelque chose qui peut se dérouler en parallèle pour nous rendre plus proches et plus fortes tous ensemble. Merci, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, j'ai souhaité effectuer ce déplacement en Ukraine très vite après ma prise de fonction pour porter un message d'amitié et même d'admiration à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Ce déplacement était nécessaire pour marquer ce soutien, parce que être présente, être là aujourd'hui, c'est une partie visible de notre soutien, visible, qui vient en complément de l'aide, vous l'avez rappelé, humanitaire, économique, financière, diplomatique, militaire, que la France apporte à l'Ukraine et qu'elle continuera d'apporter. C'est un message que je porte au nom du président de la République et du peuple français, dont je vous ai fait part, cher Dimitro, et dont je ferai part, bien sûr, cet après-midi au président Zelensky. Le message de la France est aussi un message d'amitié. L'Ukraine fait partie de la famille européenne. Et ce qui se passe ici, sur notre continent, nous concerne tous. Ce qui se joue dans ce pays, ce n'est pas uniquement la sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité collective. La sécurité d'un continent qui a été ravagé pendant des siècles, et en particulier au siècle dernier, par une succession de conflits. Et un continent sur lequel la Russie, par cette agression qui vole toutes les règles du droit international et qui viole également tous ses engagements internationaux, continent sur lequel la Russie a fait le choix de la guerre. Donc la France est solidaire des épreuves subies par le peuple ukrainien. Elle l'est depuis 2014 et pas seulement depuis le 24 février. J'étais ce matin à Boutcha, parce que je souhaitais me rendre sur le lieu des exactions commises par les soldats russes, là comme dans d'autres villes d'Ukraine. Et face à de tels actes, je veux le dire avec force, il ne saurait y avoir d'impunité. Nous en avons en effet parlé, Monsieur le Ministre. C'est tout le sens de l'engagement de la France, aux côtés de la Cour pénale internationale et aux côtés de Madame la Procureure générale d'Ukraine. Et vous savez aussi que nous avons été les premiers a envoyé une équipe d'enquêteurs spécialisés pour documenter l'existence de possibles crimes de guerre. Je salue leur travail et j'ai vu l'un d'entre eux ce matin. Nous avons également parlé de la situation sur le terrain. Je mesure pleinement la difficulté
et l'urgence de cette situation alors que les combats font rage à quelques centaines de kilomètres à l'est de Kiev et alors que la Russie multiplie les attaques et les bombardements contre les populations civiles également. Nous ne pouvons nous permettre, face à cette situation, pardonnez-moi, nous ne pouvons nous permettre de faire preuve de faiblesse. Et nous devons agir avec détermination pour mobiliser l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition. Tout d'abord, nous devons continuer de rendre insoutenable le coût de la poursuite de cette agression pour la Russie. C'est tout l'objectif des sanctions. Elles sont d'une ampleur sans précédent et elles visent le pouvoir russe et tous ceux qui contribuent à son effort de guerre. La France, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, exerce en ce moment la présidence du Conseil de l'Union européenne. Elle ne ménagera pas ses efforts pour que nous poursuivions et parvenions à un accord sur le sixième paquet de sanctions en discussion, car il faut réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Il y aura un Conseil européen cet après-midi et demain. Ne préjugeons pas, mais l'espoir que nous formons est en effet qu'une décision puisse être prise dès aujourd'hui. Deuxièmement, nous devons également continuer à apporter une aide militaire à l'Ukraine. Alors je voudrais redire que pas plus que ses alliés, la France n'est en guerre avec la Russie, elle ne l'est pas, mais notre engagement est fort pour appuyer l'Ukraine en lui apportant des équipements de défense, ceux qui lui sont nécessaires pour se défendre. Nous avons à ce sujet des échanges anciens et constants avec les autorités ukrainiennes pour évaluer leurs besoins et pour évaluer notre capacité à y répondre. Et je vous rappelle que le président de la République a fait récemment part de sa décision au président Zelensky de poursuivre et même de renforcer notre appui en la matière. Et c'est ce qui a été fait, Monsieur le ministre, vous avez évoqué l'arrivée des canons César. Cet appui se poursuivra. Il se poursuivra comme nous poursuivrons le soutien massif que nous apportons aux populations ukrainiennes. Nous avons mobilisé déjà plus de 100 millions d'euros sur le volet humanitaire. De nombreuses collectivités territoriales françaises se sont également mobilisées aux côtés de l'État. Des biens de première nécessité vous sont parvenus, de même des semences, des matériels médicaux, du matériel de soutien à la sécurité civile. Et cet après-midi, j'assisterai dans quelques heures à la remise d'un convoi d'ambulances et de véhicules incendie et d'un véhicule médical qui était parti de Paris en présence de Jean-Yves Le Drian, mon prédécesseur, auquel je rends hommage, et qui vont arriver aujourd'hui à Kiev en ma présence. Au total, ce sont 2 milliards de dollars d'aide qui ont été promis par le président de la République, ce qui porte la France, et c'est un motif de fierté, mais c'est naturel, au tout premier rang des soutiens internationaux de l'Ukraine, l'Ukraine qui se bat pour sa souveraineté, son intégrité territoriale. Nous avons abordé aussi la question européenne, le ministre l'a dit, et je confirme que nous sommes favorables également à un rapprochement de l'Ukraine à l'Union européenne et même un rapprochement accéléré. L'Ukraine a déposé une demande d'adhésion et souhaite rejoindre la famille européenne. C'est un souhait légitime. Cette demande, vous le savez, sera examinée fin juin par les chefs d'État ou de gouvernement après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission, un avis qui est attendu d'ici la mi-juin. Alors je ne peux pas préjuger de la décision qui sera prise par le Conseil européen d'ici fin juin, mais nous aurons à cœur en tant que présidence d'assurer l'unité des Européens en faveur d'un geste positif sur la base de critères et de conditions précises selon l'avis de la Commission. Et en complément, je dis bien en complément, merci de l'avoir compris, Dmytro, nous souhaitons offrir dès maintenant des possibilités de coopération, je dirais même des garanties de coopération à l'Ukraine, qui ne sont en aucun cas un substitut à sa marche vers l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'une alternative, il s'agit d'un complément parce que nous voulons ouvrir des voies de solidarité et des coopérations concrètes dès maintenant, le plus rapidement possible. C'est la proposition qu'a faite le président de la République de communauté politique européenne dont nous avons parlé et dont il a eu l'occasion de parler et reparlera très certainement avec le président Zelensky.
Et je voudrais conclure sur un sujet majeur et urgent à la fois, qui est la nécessité de déployer ensemble tous nos efforts pour parvenir à limiter le plus possible les conséquences de l'agression russe sur le marché alimentaire mondial. Il y a de forts risques. Le président de la République en a fait l'une de ses priorités. Il a porté au Conseil européen l'initiative FARM. Et aujourd'hui, nous voudrions, avec nos amis et partenaires, tout faire pour parvenir à débloquer les quelques 20 ou 22 millions de tonnes de céréales ukrainiennes qui sont bloquées dans les ports ukrainiens et que l'Ukraine ne peut pas exporter du fait de l'agression russe. Et je vais être très claire, ce ne sont pas les sanctions internationales qui empêchent les exportations de céréales, c'est la guerre choisie par la Russie et menée par elle en Ukraine. Il est essentiel que sur ce sujet, comme sur d'autres, nous trouvions une solution pour limiter les conséquences dommageables, même au-delà de l'Ukraine, et éviter qu'une situation de pénurie s'installe qui serait lourde pour nombre de pays dans le monde. Voilà en quelques mots ce dont nous avons pu parler. Voilà quel est l'objectif de ma visite, une visite d'amitié, de soutien et de manifestation de solidarité à l'Ukraine auprès de laquelle nous sommes côte à côte et pour longtemps. Merci, cher Dutron. Merci. Merci. On a quelques questions. La première, c'est TF1. Bonjour, Monsieur le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Tseften, une question pour TF1 et LCI. Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les négociations avec Vladimir Poutine et peut-être aussi une réaction au propos de votre homologue russe, Sergueï Lavrov, qui a déclaré lors d'une interview exclusive accordée à TF1 et LCI que la France alimente le nationalisme ukrainien et le néonazisme. Ну, переговори з Росією, зрозуміло, на якій стадії. Вони quel point elles sont? On peut le résumer comme une offensive de pleine envergure russe dans le Donbass pour les caractériser. Les tentatives incessantes d'établir son autorité sur les territoires qu'elle contrôle temporairement dans la région de Kherson. Bon, ces négociations se traduisent par chaque missile qui se dirige vers telle ou telle ville d'Ukraine ou tel ou tel site d'infrastructure ukrainien. C'est tout ce que vous avez à savoir sur la disposition russe à mener les négociations. Convenez quand même, lorsque vous êtes disposé à négocier, vous vous comportez d'habitude de manière différente. La Russie a beau faire des milliers, des centaines de déclarations sur sa disponibilité à négocier, mais il s'agit là d'un camouflage classique du KGB pour cacher ses vraies et véritables intentions et ses actions, parce que cette action consiste à poursuivre l'agression qu'elle a lancée contre l'Ukraine, à bloquer les ports maritimes ukrainiens par lesquels, comme Catherine a raison de relever, le blocage qui rend impossible donc nos exportations vers les débouchés du monde entier. Ce qui concerne M. Lavrov, depuis un certain moment, j'ai cessé de réagir à tout ce qui sort de sa part pour préserver un certain respect de moi-même. Et je n'ai pas envie de commenter les pensées qu'il profère, qui n'appellent aucune réaction de ma part, parce que lui, il défend une réalité contre laquelle nous, tous ensemble, menons un combat, y compris avec le soutien français. Bien sûr, la Russie veut faire en sorte que l'Ukraine reste seule, sans aucune aide. Elle souhaite tuer au plus vite possible le plus grand nombre d'Ukrainiens, occuper encore davantage de territoires, commettre des viols et des atrocités contre les femmes et les enfants. C'est pour ça qu'elle poursuit un peu ce discours qui consiste à menacer tout le monde pour le soutien apporté à l'Ukraine. Mais la France reste, nous le voyons, infléchissable dans son soutien à l'Ukraine, dans cette guerre qui est menée entre le mal et le bien. Le mal, c'est la Russie. Il ne reste qu'une zone grise possible pour parler de faire une certaine concession à la Russie, d'essayer de trouver un certain équilibre. Tout est extrêmement clair.
Je suis content de voir la France se ranger du côté du bien dans cette guerre, non seulement par ce que la France apporte son soutien à mon pays, mais par cette prise de conscience que je vois du côté français, que la Russie doit être stoppée. C'est pour ça que personne ne doit donc se laisser acheter par ces déclarations qui peuvent émaner des responsables russes ou de certains hommes politiques ou intellectuels européens qui préconisent d'arrêter toute fourniture d'armes à l'Ukraine au risque de faire durer la guerre ou de nous faire sombrer dans une encore plus grande guerre. Rien ne vous entraîne dans cette guerre tant que vos soldats ne sont pas sur le sol ukrainien. Et nous, de notre côté, je vous le rappelle, nous ne l'avons jamais demandé à faire venir votre soldat ici. Nous savons comment faire cette guerre. Donnez-nous juste cette arme dont nous avons besoin. Comme ça, le monde entier évite d'être impliqué sur le terrain dans cette terrible guerre. Madame Colonna, Madame la Ministre, vous parlez-vous de la volonté du président Emmanuel Macron de renforcer l'aide militaire à l'Ukraine? Alors allez-vous livrer davantage d'armes à l'Ukraine? Si oui, quand? Lesquelles? Pour combien? Boris Johnson plaide, lui, par exemple, pour une livraison de lance-roquettes multiples. Quand serait-il? Le président de la République, en effet, a indiqué à M. Zelensky que la France poursuivrait et renforcerait ses livraisons d'armement dans le cadre d'un dialogue dont j'ai rappelé qu'il était ancien et permettait de tout à la fois évaluer les besoins de l'Ukraine et évaluer nos capacités à y répondre. Ça a été traduit rapidement dans les faits. Le ministre Kouleba vous a rappelé notamment l'arrivée de César. D'autres sont attendus. Nous n'avons pas pour habitude de parler de ces questions ouvertement ou sur la place publique. Nous en parlons entre amis. Je peux vous dire néanmoins que les quelques semaines qui viennent devraient permettre de constater qu'il y a une réponse concrète à votre question. Le prochain, je vais laisser en Ukraine. Це питання від Укрінформу. Від Укрінформу до міністра Кулеби. Donc la prochaine question de l'agence Ukrinform. Pourriez-vous commenter l'idée donc mise en avant par le Premier ministre britannique Johnson, confié à la presse italienne, donc cette initiative de nouvelle alliance entre l'Angleterre, l'Ukraine, les pays baltes, est-ce que c'est une nouvelle alternative, une nouvelle initiative pour créer une alliance alternative à l'UE? Et une autre question, Madame Colonna, le président Macron, je crois, le leader mondial à avoir des échanges les plus réguliers et fréquents avec le président Poutine. Est-ce que ces échanges peuvent aboutir à quelque chose et quelles sont les raisons de M. Macron de penser ainsi? Nous avons en effet depuis le début de la guerre œuvré à donner une forme à une alliance entre la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Ukraine, c'était une initiative ukrainienne, donc la guerre qui a un peu retardé, donc ralenti ce processus. Nous reparlons en ce moment de différents formats possibles dans ce cadre, mais concernant l'initiative de M. Johnson rapportée par certains médias européens, je n'ai pas grand-chose à dire en guise de commentaire là-dessus. Bien sûr, l'Ukraine reste intéressée à pratiquer ce format de petite alliance qui réunisse des pays. Merci. Je réponds volontiers à votre question. La France maintient un canal de communication avec la Russie. Elle n'est pas la seule à le faire. Elle pense que c'est utile et même nécessaire pour faire passer un certain nombre de messages. Et je crois comprendre que les conversations entre le président de la République et Vladimir Poutine sont des conversations directes et franches. Ça permet aussi de parler d'un certain nombre de sujets précis, importants, par exemple, avant-hier, celui des céréales. Et puis, sur le fond, la France condamne l'agression. Elle a été au premier rang pour qu'aux Nations Unies, la communauté internationale se rassemble pour condamner l'agression russe. Elle condamne l'agression russe et elle soutient l'Ukraine, par tous les moyens que j'ai rappelés. Aujourd'hui, on le voit bien, la situation est difficile, les combats sont intenses et l'heure
ne semble pas être à la négociation. Mais comme le rappelle le président Zelensky, un jour, le dialogue devra venir. Ce dialogue ne peut avoir d'intérêt que s'il est bien sûr sincère, sérieux et avec pour objectif d'aboutir et non pas d'occuper le terrain d'une autre manière. Mais dans ce dialogue, il faut bien être deux. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine pour le faciliter si c'est possible, au moment où elle le souhaitera, quand elle le souhaitera et dans les conditions auxquelles elle le souhaitera. Pour ça, des échanges sont utiles avec tous. C'est le rôle de notre pays, pas seul, mais avec d'autres, de maintenir les espaces de dialogue ouverts. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, une question de Radio France de Thibault Lefebvre. La France est accusée de considérer l'Ukraine comme des Européens de seconde zone avec le projet de communauté politique européenne. Qu'en est-il alors que l'Ukraine demande un statut égal aux autres membres de l'UE et que le Royaume-Uni propose une alliance alternative ? J'ai déjà, en relatant la première partie de nos discussions avec le ministre Kouliba, rappelé que nous avons eu l'occasion peut-être d'être mieux compris. La candidature de l'Ukraine à l'Union européenne sera examinée prochainement par le Conseil européen, donc au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur la base d'un avis de la Commission que nous ne connaissons pas encore parce qu'il n'est pas encore rendu. Pour autant, quelle que soit la décision du Conseil européen, et nous souhaitons qu'un geste favorable soit accompli en faveur de l'Ukraine, il y aura un travail à faire dès maintenant. Nous proposons de l'engager dès maintenant pour construire des coopérations concrètes, regarder les espaces, les terrains, ils sont nombreux, qu'il s'agisse du transport, de l'énergie, des infrastructures, des investissements, où nous aurions intérêt, européens et partenaires qui ne sont pas encore européens, à ne pas attendre, à aider à la préparation et d'ores et déjà à faire davantage ensemble. C'est le sens de la proposition du président de la République. Je crois qu'elle a été entendue comme telle. Je la réexpliquerai très certainement cet après-midi au président Zelensky. Mais il y a matière à réflexion et nous voudrions réfléchir tous ensemble. Vous savez, l'initiative européenne. Vous savez, l'initiative d'une communauté politique européenne, mise en avant par le président Macron, me rappelle un peu le sort de l'intégration européenne de l'Ukraine. Donc tu commences par déclarer quelque chose, lancer une idée, tout le monde s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire, tu te mets à expliquer ton idée donc pour éliminer les mauvaises interprétations, les incompréhensions possibles. Et puis le moment vient où tout le monde reconnaît, oui, c'est cool, il faut le faire. Quand ceci arrive, tout le monde est heureux et tout le monde dit, oh là là, mais comment on a pu imaginer une vie sans une chose aussi formidable. Donc, globalement, l'intégration européenne de l'Ukraine, ça ressemble un peu à ça. Nous avons passé des années donc, à expliquer ceci, cela, à dialoguer, à patiemment expliquer à tout le monde que nous sommes au même titre les Européens que vous. Nous ne voulons pas du mal à l'Union européenne. Notre seule envie est de la faire plus forte et plus puissante sur l'arène internationale. Beaucoup de scepticisme auquel nous devons faire face et que nous devons donc démentir, certains qui cherchent à nous maintenir dans une antichambre au lieu de nous laisser l'entrée dans le salon. Donc, on est obligé à dire, on n'a pas envie de rester dans l'antichambre. On veut être dans la même salle avec vous. C'est à peu près la même chose, peut-être, le sort de cette initiative du président Macron. L'idée de cette communauté doit se faire le chemin dans les têtes, de même que le statut de candidat pour l'Ukraine doit se frayer le chemin, pas facilement, donc par le biais de tout ce travail et de tous ces échanges que nous menons tous azimuts pour expliquer que tous ces projets ne portent pas de menaces mais qui offrent à nous tous de nouvelles... Merci, c'est tout. D'accord, nous sommes à l'heure. Merci beaucoup. Merci.